Yakubili Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui je vais m'attaquer à quelque chose d'assez grand. Je vais te donner mon avis sur le manga vs l'anime vs le drama One Piece. À savoir qu'il y aura un autre épisode dans le même genre qui va sortir prochainement car je vais te faire mon avis sur le drama ou le live action vs l'anime pour le manga Yu Yu Hakusho. Et ça, ça sera aussi dans le mois de janvier si tout va bien parce que je suis en train de me refaire l'intégralité de l'anime Yu Yu Hakusho qui est quand même en 112 épisodes. Oui. Donc, si la suite t'intéresse et mon avis sur le manga, animé et live action sur One Piece t'intéresse, je t'invite tout simplement à continuer. Donc, à savoir, One Piece, donc ça date d'il y a des années, tout le monde le sait et j'ai commencé les mangas il y a déjà plusieurs années. One Piece, je l'ai d'abord aperçu un petit peu en manga, mais la qualité de dessin ne m'a jamais intéressée. Et il faut aussi savoir, avant de commencer, que je ne suis pas du tout le fan de shonen, et encore moins le fan de shonen à rallonge, c'est-à-dire Naruto, Bleach, One Piece, My Hero Academia, DBZ, etc. Enfin, Dragon Ball, on va rester sur Dragon Ball, tout ça. Ce n'est pas du tout à la base ma came, mais j'en ai regardé la plupart. Et il faut savoir que du coup, en manga, c'est clair et net, c'est non. Car 1, c'est beaucoup trop long à lire. 2, je suis quelqu'un qui aime lire les séries d'une traite. 3, grosse flemme aussi de lire, parce que je suis quelqu'un quand même d'assez lent. 4, c'est quand même... ou 5, je sais plus. C'est quand même un sacré budget. Donc, je n'ai pas fait le manga et je te dis, la qualité de dessin au tout début ne m'a jamais vraiment intéressée. Pour ce qui est de l'anime, là-dessus, j'ai déjà essayé vers ses tout débuts. Je dirais, il y a... Attends, je ne sais plus au niveau du nombre d'années, mais en tout cas, j'étais en primaire quand j'ai commencé One Piece. J'avais commencé à regarder les épisodes et je m'étais arrêtée à l'épisode 15. Voilà. Je me suis arrêtée à l'épisode 15 et j'avais dit, j'aime pas One Piece, ça me plaît pas, ça ne m'intéresse pas, je rentre pas dans le délire, etc. Les années sont passées et puis il y a eu cette histoire du tome 100 et compagnie. Je vois aussi que mon meilleur ami est surnommé Luffy parce que tout simplement c'est son personnage préféré. Donc je me dis, c'est quand même un peu con que tu ne connaisses pas la série préférée de ton meilleur ami. Là-dessus, il y a aussi un personnage qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, si j'ai bien suivi, qui me plaisait plutôt pas mal au niveau de son esthétique, et pas mal de gens le comparaient à moi par rapport à un petit peu quelques petits détails, mais qui était un petit peu bizarre. Bref, donc je m'étais dit, il faudrait peut-être que je m'y intéresse finalement à One Piece pour m'intéresser et comprendre et connaître ce fameux personnage. Je parle de Yamato. Et donc là-dessus... je commence à me dire, écoute, j'ai l'abonnement ADN, je peux regarder One Piece, si je m'y mets à fond, ça devrait le faire, ça devrait être assez rapide. Surtout que je commençais, donc du coup, il y a un an de ça, donc en janvier 2023, à faire des créations en toile. Je commençais à faire des toiles dans ce style-là, et donc je me dis, enfin, c'est pas que je me dis, c'est que pendant que je fais mes toiles, je mets un animé en fond que je regarde en même temps. Et là-dessus, je me dis, écoute, tu vas recommencer à la caisse départ One Piece et puis tu vas au moins t'obliger, dans un sens, à regarder au moins la première saison, c'est-à-dire à peu près 60 épisodes si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir dire réellement et que du coup les gens puissent plus me dire « Ouais, mais t'as regardé que 15 épisodes, tu peux pas juger !» Donc je me suis dit, si au moins tu as regardé la première saison, 60 épisodes, tu peux plutôt... plus ou moins pouvoir dire quand même, et là du coup les gens ne seraient plus dans le « tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas » parce que j'aurais regardé la première saison. Donc, c'est chose que j'ai essayé de faire. Malheureusement, je me suis arrêtée à l'épisode 30, à peu près hein, dans ces eaux-là. En gros, je me suis arrêtée au niveau du combat de Zoro contre, on va dire, le gars avec la grande épée. Et la mini, qui est en collier, voilà. Bref, toujours est-il, donc One Piece, c'est pas trop mon délire. Et puis, je vois l'information comme quoi le fameux live action doit sortir.
Je me dis pourquoi pas, 8 épisodes qui sont censés résumer une saison entière de 60 épisodes. Au niveau du temps, ça reste correct, donc pourquoi pas. Après tout, t'aimes bien aussi ce qui est drama. Alors oui, ce n'est pas exactement un drama, c'est à peu près. Mais dans les dramas, il y en a aussi qui sont des adaptations de manga ou d'anime, donc je me dis pourquoi pas, tout simplement. Donc là, on est quand même à 5 minutes d'intro pour t'expliquer juste comment je... Enfin, si j'aime ou pas One Piece. Eh ben, figure-toi que malgré le fait que je ne suis pas trop fan de pas mal de choses qui concernent One Piece, ben, j'ai totalement accroché au Live Action. Alors, j'avoue que j'ai eu une amie aussi qui a eu un bon argument. Elle m'a montré la tête de l'acteur qui faisait Zoro. Et puis après, j'ai vu le sourire ravageur de Sanji. Et je me suis dit, ok, je regarde. Mais... c'est pas parce que je trouve un acteur mignon ou deux mignons que ça allait forcément le faire. Et honnêtement, bah, j'ai été agréablement surpris par ce live action et j'ai adoré One Piece. J'ai adoré pour la première fois de ma vie One Piece et ce que j'en voyais. Alors oui, il y a pas mal de différences par rapport aux épisodes. Oui, il y a certains raccourcis qui ont été faits, etc. Oui aussi, Usopp n'a pas son long nez. Il y a des petits détails comme ça qui m'ont personnellement perturbé au départ. Même si après, en comprenant et en niant les informations de pourquoi, par exemple, Usopp n'a pas son long nez, et des petits détails comme ça, j'ai trouvé ça plutôt cool et ça ne m'a pas tant dérangé que ça. Mais il y avait quelques trucs aussi où j'étais là, mais pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Et il y avait quelques petits points comme ça qui me dérangeaient. Mais il faut savoir aussi que je suis quelqu'un qui, honnêtement... dans tous les autres titres, je pense que tu vois qu'il y en a quand même plutôt pas mal, et là tu ne vois pas tout, mais il faut savoir que je ne suis pas du tout le genre de personne qui fait manga, anime, drama. Quand il y a une série qui m'intéresse, je lis ou je me contente d'un seul format. On va prendre l'exemple avec mon titre préféré au monde en animé, c'est Yu Yu Hakusho. Je sais pas. Bah non, ils sont pas dans le champ de vision. Mais j'ai les mangas de Yu Yu Hakusho, j'ai même l'ancienne version, mais c'est purement collection. Je ne le lirai pas du tout parce que je ne suis pas de ce genre-là. Pareil, j'ai par exemple uniquement le tome 13 et le one-shot de Death Note, tout simplement parce que Death Note, j'ai fait l'animé. Oui, bah à l'époque, il passait à la télé et j'ai eu les cassettes ou je sais pas quoi. Et puis après, on m'a offert surtout les DVD. Voilà, j'étais peut-être un peu trop jeune pour regarder Death Note, mais c'est pas grave. Bref, toujours est-il, je pense que tu vois à peu près le concept. À part, après, rare réception, Fruit Basket, j'ai fait le manga et l'animé à l'époque, je ferai aussi la nouvelle version de l'animé, mais honnêtement, c'est très très rare que je fasse toutes les versions. Après, quand je me casse les dents sur une version, style le manga, par exemple One Piece, ça ne me plaît pas, voilà. Ou on va prendre un autre exemple pur. Chainsaw Man, j'ai essayé le manga, j'ai jamais été plus loin quasiment que les Strays. J'ai tenté l'animé et j'ai fini la saison 1. Voilà. Donc, comme je me suis cassé les dents sur le manga, sur l'animé, je me suis dit on va tenter le live action si tu préfères. Et donc, bah, tout simplement, j'ai énormément apprécié. Il y a des personnages que j'avais moins appréciés dans la version animée que j'ai préféré du coup dans la version drama. Il y a des petits passages aussi que j'appréciais moins dans la version animée que finalement j'ai préféré, une fois de plus, dans la version drama et live action. Et donc, du coup, bah, finalement, bah, j'aime bien One Piece, mais en version drama. Je préciserai toujours, mais c'est en version drama, enfin live action, que je préfère largement, du coup, au niveau de la série. Pour ce qui est de mes personnages préférés, je dois te l'avouer que bah, ça ne me surprend pas trop. Je préfère Zoro, Sanji et Baki the Clown. Je n'aime pas spécialement Luffy. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le genre de personnalité que je déteste au plus haut point dans les animés. C'est-à-dire le personnage ultra positif, ultra joyeux et qui crie dans tous les sens et qui fonce dans tous les sens. Voilà. Alors oui, mon meilleur ami est un Luffy, très clairement. Oui, mon meilleur ami préfère ce personnage. Et c'est ok. Préfère-le, mais pas moi. Voilà. Et oui aussi, j'ai tellement aimé Zoro que j'envisage de le faire en cosplay. Voilà. En ce qui concerne le live action, je ne peux pas trop te donner aussi plus de détails au niveau de qu'est-ce que j'ai aimé dans, vraiment, en faisant détail par détail, parce que il faut savoir qu'il est sorti quand même il y a un petit moment de ça. Et que moi, pas derrière, ben, on est quand même le 1er janvier.
Oui, je devais le faire plus tôt cette vidéo, et puis je me suis un petit peu défilée, et puis après il y avait d'autres priorités, j'avoue. Donc voilà, en ce qui concerne cette première saison, j'ai été agréablement conquis, j'ai été agréablement surtout surpris, et est-ce que je continuerai ou pas la série en live action? Ma réponse est oui. Par contre, ne compte absolument pas sur moi pour lire le manga ou me taper l'animé. C'est non. Voilà. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas quand même à me le faire savoir. N'hésite pas à me dire quels sont toi tes personnages préférés que l'on voit du coup uniquement pour l'instant sur la saison 1. Quel est le personnage que toi tu aimes le moins? Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve aussi très vite du coup pour te parler de mon avis sur le live action Yu Yu Hakusho et mon avis sur l'anime. Et comme tu l'as compris, le live action est sorti le 14 décembre et j'ai déjà recommencé à me faire l'anime. Je crois que je suis déjà à l'épisode 20 sur 112, donc là ça sera très frais mon avis entre les deux, et donc je pourrai encore mieux te le comparer, sachant aussi qu'il faut savoir que Yu Yu Hakusho, je l'ai déjà bouffé 5-10 fois, je sais plus trop, mais dans ces eaux là donc et puis je suis un fan hardcore. Alors, il y aura l'éclairage, mais en gros, là, tu vois, t'as Yusuke, Iei, Kurama. On a en fond qu'on voit pas vraiment, mais en fait, on a la deuxième figurine de Kurama ici. On a Koenma, la nouvelle, l'ancienne figurine de Koenma. On a Iei ici, on a encore un Iei ici. Il n'est pas là, mais j'ai un autre Iei de Yu Yu Hakusho, parce que c'est mon préféré, en boîte qui reste dans ma chambre. Je crois qu'il y a des pop, et donc du coup j'ai dû acheter les pop, un truc comme ça. Donc vraiment, je suis un gros accro à Yu Yu Hakusho, c'est mon anime préféré au monde. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. N'hésite pas du coup à me faire ton retour en commentaire, n'hésite pas à me dire ce que tu as aimé ou pas dans la vidéo, quelles sont les choses à améliorer ou autres pour les prochaines fois. Je te retrouve donc bientôt du coup pour une nouvelle aventure. N'oublie pas du coup la barre d'infos, il y a plein de détails, plein d'infos, etc. Et sur ce, à bientôt.